l'actualité oblige, on parle de sport sur le débrief de l'actualité ce mercredi en direct sur Canal 2 International. Vous l'avez d'ailleurs tous vu sur les réseaux sociaux et même dans les médias traditionnels au Cameroun. La Fédération Camerounaise de Football annonce à l'opinion publique nationale et internationale la résiliation de son partenariat avec l'équipementier One All Sport, habilleur officiel des sélections nationales de football au Cameroun. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive à cette rupture annoncée du contrat? S'agit-il véritablement d'une rupture? On en parle avec nos experts déjà sur ce plateau. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur la meilleure chaîne privée au Cameroun. Je commence par un analyste sportif. Vous l'avez certainement déjà vu sur plusieurs plateaux de débats liés au sport. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être avec nous. Georges Rime, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à ceux qui m'accompagnent sur ce plateau des Briefs de l'Actu. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce plateau. Comment vous allez? Du noir avec une cravate rouge, hein, ça a une signification particulière. C'est un EPCiste. Bon, alors comment dans la célébration des héros nationaux, vous avez voulu rendre hommage à... C'est les héros nationaux, effectivement, chez les Douala, c'est le Tété Combo. Oui. Et... peut-être une petite pensée à l'endroit de cela, mais c'est davantage parce que ce sont des couleurs que j'aime, surtout partant de pluie, comme c'est le cas à Douala depuis quelques semaines déjà. Merci d'être venu sur le plateau du débrief de l'actualité en face de vous. Ce sont des hommes très sacrés ce soir, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Est-ce ce contrat de résiliation de One All Sport sera à tout à l'heure? Si c'est Bamanga, bon retour dans le débrief de l'actualité. Vous êtes fan de football? D'accord, merci à Aline, merci aux militants de l'UPC qui est en face de moi parce que la cravate et sont des couleurs. Et d'ailleurs, c'est bien rime. Merci à celui que vous allez présenter tout à l'heure. Je passe un salam, comme on dit chez nous, à tous les championnats de vacances parce que c'est la période en ce moment où il y a des mini-tournois, des tournois, des tournois de ceci, des tournois de cela. Et c'est bien parce qu'il y a une communion. Il y a de l'union autour de ce championnat de vacances qui se passe dans toutes les 10 régions du Cameroun. J'ai vu par exemple dans le nord-ouest, là où c'est un peu agité, il y a eu des anciens professionnels, il y a eu des hommes d'affaires qui ont donné un peu de ballon. Vraiment, c'est beau. Donc, c'est ça, ça me tenait au cœur de dire un bonsoir. Et je suis toujours heureux comme un petit garçon qui retrouve son cadeau auprès de son sapin à la maison d'arriver ici à la télévision internationale. Qui est la 2. Vous ne saluez pas son excellence Biacha, Stéphane? Lynn, je vote un peu sur votre question. Vous aimez les problèmes? Non, pas du tout. On salue son excellence Stéphane Biacha qui nous regarde à Yaoundé des synergies africaines. On est en plein cœur dans les vacances. La lutte contre le VIH-Sida est lancée dans les 10 régions du Cameroun. Lui, il est avocat au barreau du Cameroun. On aura besoin de sa casquette d'avocat ce soir. Maître Achille Dio, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lynn. Bonsoir copanel, bonsoir également aux fidèles de cette production. Merci de l'invitation. Nous espérons pouvoir apporter des éclaircies, du moins sur ce qu'on a pu avoir comme information pour la bonne gouverne des téléspectateurs. Vous êtes amoureux avec ces couleurs, cette petite fleur rouge là, une cravate dorée? Je suis, un peu d'amour dans le cœur? Non, j'en suis habitué. Ah d'accord. Oh. Vous êtes un cœur à prendre, maître. Il a l'alliance au doigt, s'il vous plaît. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. On ira. Permission, hein, oui. Si c'est ma... m'a un peu taquiné à me, en faisant de moi militant de l'UPC. Je n'ai pas de casquette politique, mais ça ne me déplairait pas d'être identifié à ce parti nationaliste. Lorsqu'on connaît l'idéologie de ce parti et les combats que ce parti a menés pour que ce pays parvienne à l'indépendance. Peut-être on verra. En 2025, on verra. Je suis un nationaliste et je défends la cause et les intérêts
Messieurs, je vais vous dire merci d'être venus sur ce plateau, d'avoir bravé les intempéries dans la ville de Douala, les embouteillages, les mauvaises routes pour être ici avec nous. On ira à Paris, en France, retrouver Pascal-Pierre Mbengono, lui qui est directeur de la communication de Edimo Design. Après ce communiqué, on aura quelques précisions avec lui tout à l'heure. Mais je commence par vous, Georges, vous qui êtes dans le sport depuis pas mal d'années déjà. Il y a ce communiqué de la FECAFOOT qui annonce donc à l'opinion nationale et internationale la résiliation de son contrat, son partenariat avec One All Sport. Il fallait s'y attendre. Forcément qu'il fallait s'y attendre et il y avait déjà des signes avant-coureurs de ce qu'on tendait vers ce type de solution ou de décision entre la Fédération camerounaise de football et One All Sport. Pour ceux qui l'avaient écouté dans un média de la place, à l'époque, il était encore porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, Ernest Obama, annonçait déjà les manquements de la part de One All Sport dans l'exécution de ses engagements dans le cadre de ce partenariat-là. Et aujourd'hui, du moins hier avec ce communiqué, ce communiqué ne vient que confirmer ce qui semblait déjà se préparer, comme je l'ai dit, depuis cette sortie d'Ernest Obama. Donc, personnellement, je ne suis pas surpris, parce qu'entre-temps, bien évidemment, il n'y a pas eu d'indices ou de signaux laissant penser que la situation, pour tout au moins du côté de One All Sport, avait changé. D'accord. Alors, si c'est, il n'y a pas de raison officielle, sauf des engagements non respectés. Écoutez, vous connaissez ma position sur cette affaire depuis le début. je fais partie de ceux-là qui ont toujours pensé que One All Sport, c'est quelque chose de flou, c'est quelque chose qui n'a jamais existé pour moi. Bon, tant mieux aujourd'hui si... le contrat a été résilié, si vous voulez. Tant mieux si aujourd'hui, on arrive à la fin du contrat entre la Fédération camerounaise de football et One All Sport, si vous voulez. Parce que moi, j'ai fait des recherches Moi, j'ai appelé ça machin. Hein. J'ai toujours appelé ça machin. Excusez-moi, j'ai fait beaucoup de recherches dessus, mais je n'ai jamais, je dis jamais, je suis jamais tombé sur une information sérieuse parlant de cet équipementier. Quand vous allez même dans le site de One All Sport, on vous démontre que One All Sport a par exemple beaucoup de partenaires, à savoir même des partenaires qui font dans la Formule 1, mais sauf que quand vous retournez dans les sites internet de ceux-là, par exemple de Ferrari, je dis n'importe quoi, et vous ne voyez pas le même One All Sport. Donc pour moi, ça a toujours été quelque chose de un peu flou et j'ai toujours été dérangé parce que ceux qui sont aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football, je vais le dire sans embâche, ils nous ont promis qu'ils devaient faire des choses autrement. Tout ce qu'ils ont reproché à Coq Sportif et à Puma et autres, finalement, c'est la même chose qu'ils ont essayé de faire. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, je dis encore que si aujourd'hui il y a eu une cassure, une fracture entre la Fédération et One All Sport, moi, je fais partie de ceux-là qui sont très, très contents. Et je dis que j'attends de voir aussi, n'oublions pas, la note que One All Sport aussi, comment on appelle ça, va mettre à la possession de tout Camerounais. J'ai aussi peur que ça ne soit pas quelque chose qui va venir déclencher un autre combat. On n'a même pas fini de penser les plaies avec Coq Sportif et d'autres problèmes qui sont liés autour du football et autour des Lions Indomptables. Parce que ça risque d'être une rupture abusive. Hein. Moi, je ne sais pas, mais vraiment, les jours qui viendront vont nous dire. Mais pour le moment, c'est normal qu'on résilie un contrat. C'est normal que même dans le mariage, qu'il y ait un contrat entre un homme et une femme, quand ça ne va plus, vous avez le droit de briser cela. Donc, moi, je pense que c'est le début de quelque chose. On reviendra ici pour parler, mais je ne veux pas vraiment que ça soit quelque chose qui va nous distraire parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres problèmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au Cameroun qui peuvent nous exciter, qui peuvent nous animer. Mais en attendant, c'est l'actualité, actualité oblige. Hein. Alors, maître, résiliation ou rupture? Ben voilà, c'est une résiliation, tout simplement. Un contrat, c'est un engagement
C'est une convention entre deux parties et qui fait naître des engagements réciproques de part et d'autre. Avec ce contrat, il faut faire attention, c'est un contrat un peu plus complexe, puisque ça ne fait pas seulement intervenir les co-contractants, ça fait également intervenir une chaîne d'exclusivité, par exemple, dans la représentation, dans la distribution et tout le reste. Donc c'est un peu plus complexe. Un contrat, c'est comme un être humain. Il naît lors de sa signature, il vit lors de son exécution et meurt lors de sa résiliation ou alors de la fin du terme du dit contrat. Pour ce qui est du contrat en l'espèce, il faut dire que je crois que c'est en août 2022 qu'en grande pompe, la Picafoot annonçait la signature de ce contrat. Et tous les amoureux de la chose sportive étaient regaillardi, était fier de ce que One All Sport prenait des engagements très très énormes en faveur du mouvement sportif, normalement, particulièrement le football. Quand vous lisez l'annonce, le communiqué du secrétaire général de l'Afrikafoot annonçant le retrait de l'Afrikafoot de cette convention, vous comprenez tout simplement qu'il y est dit que le co-contractant One All Sport n'a pas respecté ses engagements. Et lorsque vous allez plus loin dans les recherches, on vous dit, eh ben voilà, ils avaient promis 3 milliards sur 3 ans, c'est-à-dire 1 milliard par an. Un bus standard ou standing VIP, ce qui n'a pas été le cas. Alors, moi, je pense que si vous êtes dans un contrat et que vous rendez compte que le co-contractant n'exécute pas sa part de responsabilité ou d'engagement contractuel, d'obligation contractuelle, alors vous avez le droit de d'y mettre un terme. Mais n'ayant pas la quintessence du dit contrat, je préfère qu'on parle avec beaucoup de pincettes, qu'on reste au conditionnel, parce que on peut y mettre beaucoup de textes de disposition qui permettent à l'une ou l'autre partie de le résilier avec ou sans préavis. Bref, la loi, je veux dire, le contrat étant la loi des parties, il faut l'avoir sous la main pour pouvoir parler avec beaucoup de certitude. Et je vais vous proposer de regarder cet élément. Samuel Eto'o, fils, était de passage à Canal 2 International, interviewé par Rodrigue Tonguet, le directeur de l'information. C'était le 8 août 2022, où Samuel Eto'o, fils, était plutôt rassurant quant à l'équipementier One All Sport. Que s'est-il passé entre-temps? On l'écoute d'abord, on revient. Vous entendez, Monsieur Tonguet, vous savez, échos qui viennent de cette partie de l'opinion, je vais partager un document avec vous pour que vous compreniez que mon exécutif et moi-même, nous n'avons rien à cacher. Vous verrez, le communiqué qui était prévu pour le 9 août, je vous prie, vous pouvez le lire, il y a tous les chiffres dessus, il y a tout. Lisez pour les téléspectateurs après, je vous expliquerai pourquoi ce communiqué n'avait pas été lu. Je vais lire le deuxième paragraphe, il me paraît le plus important. Allez-y. Oui, pour ne pas avoir de blanc à l'antenne. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, le nouvel équipementier s'engage à verser la somme d'1 milliard de francs CFA par an à la Fédération camerounaise de football, soit un total de 3 milliards à l'échéance contractuelle fixée. Le partenariat comporte également la fourniture en équipement d'une valeur d'1 million d'euros par an pour les sélections nationales et d'un bus de standing VIP pour les Lions Indomptables du Cameroun. La date, elle est importante. La date, elle est importante. C'est à Yaoundé le 9 août 2022. Le 9 août. Voilà, 9 août 2022. Comment on peut être aussi rassurant et venir quelques temps après résilier un contrat? Pourtant, on a dit devant le public que cette affaire, c'était une affaire sérieuse. Oui, on peut être aussi rassurant comme l'a été le président de la Fédération camerounaise de football dans le cadre de cet entretien avec votre collègue, parce qu'il y a eu des descentes sur le terrain, il y a eu des visites sur
le site de One All Sport. On a visité les équipements, les infrastructures de cet équipementier. Et ajouté à cela les engagements ou les garanties que prenait l'équipementier dans l'exécution de ce partenariat, on ne pouvait être que aussi confiant comme l'a été le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etoffé. Sauf que, entre ce qui a été dit et ce qui sera fait par la suite, malheureusement, on s'aperçoit bien que One All Sport n'a pas respecté jusqu'au bout ses engagements. Pour ce qui est de la dotation matérielle, notamment le bus VIP, n'a jamais vu. Hein. Il n'a jamais été. On l'a jamais vu. Pour ce qui est du versement à la Fédération camerounaise de football de la somme d'un milliard de francs par an sur les 3 ans que était censé courir ce partenariat, il est reproché à One All Sport ici de n'avoir pas respecté les échéances de paiement de cette somme-là, qui aurait représenté 3 milliards quand même au bout de 3 ans. Et je pense qu'également au niveau de la fourniture des équipements à hauteur d'un million d'euros, là également, il s'est posé quelques problèmes. Et d'ailleurs, Maître vient de vous le dire ici, dans le cadre d'un partenariat de ce type, quand une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles, l'autre, qui pense être lésé, est dans son bon droit de décider d'y mettre un terme, même de manière unilatérale, sans consultation de l'autre partie. Donc, voilà un peu ce qui pouvait fonder le président de la Fédération camerounaise de football à ce moment-là, d'être aussi rassurant, parce que, comme je l'ai dit, il y a eu des visites sur, d'ailleurs, des photos, des vidéos ont circulé. C'est pas des choses que je raconte simplement pour amuser la galerie. Donc, à ce moment-là, vous-même à sa place, vous auriez, vous seriez exprimé avec les mêmes assurances. Mais si c'est venir rassurer l'opinion publique pour signer un contrat, il y a des préalables. Au lieu de venir, on se dit qu'on a vendu une patate pourrie au public camerounais, et à la fin, on se retrouve en train de résilier un contrat que certaines personnes disent même n'avoir jamais eu la teneur ni le contenu de ce contrat-là annoncé par le président de la FECAFO. Écoutez, je vous ai dit depuis, moi je fais partie de ceux-là qui pensent que il n'y a jamais eu de sérieux entre One All Sport et la Fédération camerounaise de football, et je le dis encore... Qui n'était pas sérieux alors? On va revenir, je le dis encore, je ne pense pas que le président de la Fédération camerounaise de football, ceux aujourd'hui qui sont autour de lui, qui sont des personnes qui ont connu le football, le sport du haut niveau, et même les juristes chevronnés qui sont à la Fédération camerounaise de football peuvent se tromper. Moi, je me dis non à ça, je dis non. Et j'attends une fois de plus, en attendant la note de One All Sport, que la Fédération camerounaise de football monte un petit peu au créneau. Pourquoi ne pas porter plainte à One All Sport pour beaucoup de manquements, pour des défauts, pour manque d'engagement. Enfin, vraiment, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Je vais aussi interpeller l'État du Cameroun. Parce que moi, je vous ai dit, Lynn, ce qui me dérange aujourd'hui, je sais que je vais être cloué une fois de plus au pilori, parce qu'on est là face à des personnes qui ne veulent pas, par exemple, qu'on apporte un petit peu de ce qu'on peut apporter, la critique, qu'elle soit positive ou bien négative. Quand ça se faisait avant très mal, on pouvait parler, on pouvait critiquer. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui, je le dis encore et je me le répète, ils ont dit qu'ils devaient faire autrement. Des choses qu'on a reprochées hier, ce sont les mêmes choses aujourd'hui qu'on a mis sur la table. Je ne dis pas qu'on prend un contrat de One All Sport, on met ça sur la toile. Mais non, bien que peut-être que Ernest Obama, dans les vidéos qui sont devenues des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, l'a dit que le contrat était sur la page de la fédération, il a dit comme ça. Mais moi, je pense que c'est une erreur. Mais je pense que vous, les journalistes, je pense que les curieux bien encadrés du foot, je pense que l'État du Cameroun, parce qu'il faut aussi parler, on parle quand même là des lions indomptables, on parle quand même de quelque chose qui passionne, quelque chose qui... C'est pas seulement des lions indomptables, des sélections nationales. Les sélections nationales, merci. On parle
parle quand même là de quelque chose qui nous passionne tous et qui nous concerne tous. Personne n'a vu ce contrat jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que Rim, qui est peut-être là, entre guillemets, je dis peut-être là bon, ce soir, pour la Fédération Camerounaise de football, il peut nous dire qu'il a vu ce contrat. Malheureusement, votre confrère n'est pas là pour nous dire exactement ce qu'il a lu. Parce que peut-être qu'il a lu un projet, il l'a dit lui-même officiellement. Ah, c'est pas un contrat. Il avait, enfin, lui, ton gars, on connaît sa position là-dessus concernant Vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, pour les spectateurs. D'accord. Donc, moi, je dis, ça sent la poudre du perlipampin depuis le début. Ce n'est pas quelque chose de sérieux et ça me fait mal. Je suis choqué parce que quand nous, on vient, on apporte des critiques, on pense qu'on n'aime pas la Fédération Camerounaise Football ou alors on est des anti-présidents de la Fédération. Mais non, on est concerné aussi. On donne nos avis qui ne sont pas des écrits de Bible ou de Coran, mais sur la base des déclarations, parce que cet exécutif qui est là depuis aujourd'hui et qui fait pas mal de bonnes choses est beaucoup plus dans la déclaration que dans l'action. Moi, je pense que je conseillerais que ces gars aujourd'hui qui ont beaucoup déclaré des choses qui n'ont pas donné au Cameroun, au Camerounais, autant pour moi, se saisissent un petit peu. One All Sport, pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Si c'est sérieux que la Fédération Camerounaise de football porte plainte, que le TCS, je ne sais pas, ceux qui sont là, qui encadrent ce genre de choses, qu'il n'y a pas de visibilité dans notre pays, essayent de laseriser cela. Pourquoi pas le TCS? Pourquoi pas, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'instances, des organes qui peuvent laseriser cette affaire parce qu'il n'y a pas de sérieux dans cette affaire. Mais bon, je le dis une fois de plus, je souhaite que ce plateau, sortant de ce plateau, que le président de la Fédération Camerounaise de football, qui est quand même un très, je dis très, très grand joueur qui a été de haut niveau, qu'il nous apporte cette fois-ci vraiment quelque chose de sérieux pour que le Cameroun puisse être respecté. Parce qu'on est une fois de plus entré dans l'histoire. D'accord. Du jamais vu, on a vu une équipe nationale jouer avec One All Sport. Monsieur Rim, je vous mets au défi si vous voyez une équipe nationale qui a joué avec ce machin. Oui, parce qu'il m'a interpellé dans... Oui. D'abord, j'aimerais, et ça c'est sous le contrôle de maître, lui expliquer à Cissé Bamaga que ce type de contrat, généralement, ou de partenariat, généralement... C'est l'affaire de deux personnes. Donc il y a une certaine clause de confidentialité qui entoure ce type de partenariat. Donc les parties ne sont pas obligées de les mettre sur la place publique. D'accord. Vous ne me le démentirez pas pour ce qui a été de Coq Sportif ou même de Puma. Vous avez fait comme eux alors? S'il vous plaît. Ce n'est pas une affaire de faire comme... C'est une affaire de respecter les clauses contractuelles dans lesquelles figure cette clause de confidentialité. Je parle une fois de plus sous le contrôle de maître. Si je dis des bêtises, il est libre de m'interrompre. Ça, c'est d'un. Et de deux, effectivement, quand une des parties estime avoir été lésée dans un partenariat, elle est libre d'ester en justice pour réparation, notamment le paiement des dommages et intérêts qu'elle a subis. D'accord. Alors, maître, c'est depuis quand même 2022 qu'on a signé avec One All Sport. On est en 2024. Il y avait déjà un vent de désaccord depuis 2023. Pourquoi seulement attendre maintenant? Parce qu'il y avait déjà des alertes sur les réseaux sociaux, sur des experts, des personnes couronnées qui maîtrisaient quand même cet univers d'équipement. Pourquoi maintenant? Ma chère Lille, pourquoi maintenant? Permettez que je puisse d'abord dire que l'élément dont vous avez fait passer tout à l'heure, en filigrane, ne donne pas les assurances sur l'exécution du contrat. Monsieur Samuel Eto'o dit que c'est un contrat juteux pour la FECAFOOT et donne son téléphone aux journalistes pour lire à l'attention des téléspectateurs dont le document il est vrai. Maintenant, est-ce que l'exécution sera telle que prévu par les clauses contractuelles? C'est un autre débat. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que ce qui a été prévu n'a pas été exécuté comme tel. Voilà pourquoi la résiliation de la FECAFOOT.
pourquoi du mois d'août 2022 à maintenant 2024, qu'on résilie? Plusieurs hypothèses, très humblement. La FECAFOOT pouvait être dans l'espoir que les choses pouvaient changer. Vous n'êtes pas dans... Je vous ai dit, en dehors d'avoir le dossier, il faut parler au conditionnel, avec beaucoup de pincettes. Vous n'êtes pas sûr si, entre-temps, la FECAFOOT a fait des sommations de respecter les clauses et conditions du contrat ou pas. Ça, c'est d'un. Vous ne savez pas si, effectivement, le contrat prévoyait que les deux parties étaient liées absolument durant les deux années. Il y a des contrats où on vous dit, quel que soit ce qui arrive, vous êtes liés pour un certain nombre de temps. Et après, vous êtes libre de prendre vos engagements. Le contrat, jusqu'à ce que l'instance fêtière le résilie, était un contrat qui, à tout moment, permettait à la FECAFOOT de sommer ou d'amener son co-contractant à s'exécuter. Sûrement, las d'attente, peut-être sommation sur sommation, la FECAFOOT a compris que son co-contractant ne peut pas s'exécuter ou alors avait pris des engagements au-dessus de son portefeuille. Voilà pourquoi, peut-être, je dis encore, je suis au conditionnel, voilà ce qui pourrait avoir justifié la démarche de résiliation de la FECAFOOT aujourd'hui. Le tout, c'est ce qu'il faut retenir. Ne restons pas dans des accusations alors qu'on n'a pas tous les mais éléments. Mais quand on est dans la transparence, un peu comme ça se passe ailleurs, on a l'obligation aussi de tenir informé le public. Quand vous signez un contrat avec un équipementier, vous avez l'obligation de faire le point pour dire au moins ce que, puisqu'on a attendu les bus VIP, on n'a pas vu, on a vu des problèmes avec l'équipementier justement. Peut-être c'était le moment de communiquer et pour éviter les réserves et les coups de gueule actuellement. Si, le panéliste vous a dit que lorsque Ernest était encore porte-parole du président de la FECAFOOT, il avait annoncé, je pense, son interview est passée un dimanche. Et entre ce moment-là et aujourd'hui, c'est quand même écoulé, je crois, 6 mois. Voilà. Donc, c'est pour renchérir dans ce que Maître disait et pour lui éviter de parler au conditionnel, parce que je peux vous donner les informations. Il y a eu, depuis ce temps-là, des tentatives d'amiable. Oui, de résolution de la chose à l'amiable, si vous voulez. Et puis après, il y a eu des mises en demeure à l'endroit de One All Sport. Et malgré toutes ces actions menées par la Fédération Camerounaise de Football pour parvenir à une sortie de crise heureuse, une sortie de situation heureuse, il s'est avéré que One All Sport n'était pas en mesure de tenir ses engagements, d'où cette résiliation. Très bien, je vais continuer, mais en étant toujours aux conditions. Moi, tant que je n'ai pas le fond du dossier devant moi, je reste un peu dans le conditionnel dans tous les cas. Alors, donc, quand vous prenez tout cet ensemble d'éléments, Lille, vous comprenez que la FECAFOOT serait faite flouée dans un contrat. Là, avec tous les experts juridiques qu'on a à la FECAFOOT, quand même, c'est une grosse déclaration quand même. Vous aurez dû demander comment se faire flouer. Parce que Lille, aujourd'hui, les Lions indomptables, restons seulement sur l'équipe Fagnon, est une vitrine pour beaucoup d'équipementiers. Signer un contrat avec le Cameroun pour habiller nos équipes nationales, je dis, c'est une grosse vitrine. Lorsque vous venez avec votre cursus et tout le reste, la FECAFOOT fait sa part de job. Laissez-moi vous... C'est un non-name aussi. One All Sports, c'est un non-name. C'est-à-dire, bon, quand ça arrivait là, beaucoup de personnes se sont posées des questions. Mais pourquoi aller chez quelqu'un qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas? Non, ce n'est pas un non-name, Lille. Oui. N'allez pas dans ce sens. Ce sont des vais vous dire, les gens aiment parler de poumons, de course sportive, parce qu'on a été habitué à eux.
si c'est lui-même vous a dit que, lorsque vous faites les régions, vous dit que One All Sport est partenaire même de Formule 1. C'est juste que dans notre paysage ou chez nous, dans notre contexte, c'est un non-aime. Mais ne prenons pas le non-aime au premier degré. Il faut qu'on se comprenne bien. Demain, on viendra avec notre équipementier que vous et moi n'avons jamais suivi. On va dire que c'est un non-aime. Alors qu'il fait des merveilles dans le monde entier. Aujourd'hui, mon souhait, c'est que l'on ne tombe pas dans un autre bras de fer que je vois profiler à l'horizon. Parce que si aujourd'hui nous avons ce débat à couler tant d'encre et de salive, pour qu'on arrive, je parle bien du conflit, MINICEF fait cafoute, pour qu'on arrive à une situation de légère accalmie, il ne faudrait pas que pour un nouvel équipementier, on se retrouve encore avec des hautes instructions. Mm-hmm. Parce que je voudrais savoir... C'est le cas qui va arriver, monsieur. On lit pas dans la Pourquoi les instructions, les hautes instructions, c'est seulement sur le sport? Nous sortons des JO, il n'y avait pas les hautes instructions. Attendez, alors Georges Rim, vous qui êtes là depuis, quel est le bilan que vous faites de la collaboration entre One All Sport et les sélections et la FECAFOOT actuellement avant la résiliation de ce contrat? Mais quand on en vient à ce type de séparation, c'est que... Il y a quand même eu des points. Oui, il y a quand même eu des points. Nos équipes nationales, hein, tout genre confondu, ont toujours été bien habillées par One All Sport. L'une des choses qu'on reprochait à l'ancien équipementier, c'était que nos filles semblaient porter les mêmes équipements que les garçons. Or, avec One All Sport, on s'est bien aperçu, autant pour moi, que les filles avaient des équipements dignes des filles, si vous suivez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on ne peut pas, sur ce point-là, véritablement, être très dur ou sentencieux à l'endroit de One All Sport. Mais globalement, comme j'étais en train de vouloir le dire, quand on en arrive à ce type de séparation, c'est que on n'a pas été satisfait. Est-ce que vous comprenez la colère des Camerounais sur les réseaux sociaux, dans les médias, qui pensent qu'on aurait pu éviter, parce qu'on a eu Coq Sportif, aujourd'hui One All Sport qui s'en va, et la suite, on est finalement dans l'inconnu. Est-ce que vous comprenez cette rengaine-là sur cette affaire de One All Sport? Les Camerounais sont... Lille, vous savez, nous avons été habitués à l'inaction dans ce pays. Nous avons été habitués à subir dans ce pays. Donc, du coup, c'est comme devenu une seconde nature chez nous. Et du coup, quand on veut être dans la rupture, il y en a qui ont du mal à s'arrimer à cette nouvelle donne-là. La Fédération camerounaise de football attache du prix au respect du label Lion Indomptable. Quand vous signez, vous prenez des engagements avec cette fédération, avec nos sélections, il faut les respecter. Parce que le Cameroun, même si nous avons connu des moments difficiles pour ce qui est du football, ça reste une grande place, une place forte du football africain et pourquoi pas mondial. La France n'a pas été à deux éditions de Coupe du Monde, 90 et 94, que ça n'a pas empêché que Adidas continue de bosser avec cette sélection et de la respecter. Donc, ce n'est pas parce qu'on a connu cette... On parle de l'arnage de sa belle étoffice, on l'envoie. Non, justement, j'en viens. Mmh. Il y en a qui estiment même que c'est sa société. Que One Sport était une société écran de sa multi. Et ça a été largement relayé par et les médias et certains influenceurs. Les pages sportives aussi. Hein. Je ne veux citer personne ici. Mais vous avez votre société et vous décidez de résilier son contrat? Alors que vous avez la possibilité de continuer à faire affaire avec elle, je veux comprendre la logique. Donc, avec cette résiliation, j'espère que ce débat-là sera définitivement clos. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra même s'attendre à ce que la Fédération camerounaise de football saisisse les juridictions pour réparation des dommages et intérêts subis par cette dernière du fait de One All Sport de n'avoir pas respecté ses engagements. Et pour terminer, je disais qu'il faut respecter le label Lion Indomptable. Nous avons sué
pour que les lions indomptables soient une des sélections, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, respectées en Afrique et au monde. Donc il n'est plus question, je dis bien, il n'est plus question de laisser que les gens viennent s'amuser avec cette sélection. Le coq sportif n'a pas tenu ses engagements. Il y a eu résiliation du contrat. Mm-hmm. One Sport ne respecte pas les siens. Ça demande une tradition déjà. Oui, quitte à résilier autant de fois que... Oui, mais si vous ne respectez pas... Non, ça en fait plus sérieux. Non, je ne veux pas dire que ce sera le cas. Mais j'ai dit chaque fois que les partenaires de la fédération... Il faut entourer désormais des bonnes personnes pour faire des belles sélections. Parce que revenir, ça coûte aussi de revenir chaque année ou bien chaque 2 ans, chaque 3 ans, résilier des contrats comme ça. Vous pensez à l'image du Cameroun, vous pensez même à ce qui va être dit sur le plan national et international, ça ne fait pas sérieux. Lille, ce que je veux dire, c'est qu'à l'avenir, ceux qui viendront sauront qu'ils s'en vont où on ne badine pas avec le respect des engagements. Donc, le prochain équipementier saura que le coq est parti, One Sport est parti pour les mêmes raisons et viendra en ayant toutes les garanties de ce que... Il ne s'exposera pas au même sort que les deux précédents. Donc, quand vous venez au Cameroun, vous savez que vous allez dans un pays où les dirigeants, du moins pour ceux qui sont à la Fédération camerounaise de football, attachent du prix au respect de cette sélection-là. Si c'est tout ceci ouvre encore la voie à un conflit peut-être masqué, qui pourrait arriver entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, parce que la dernière fois, on a dit que dans l'incapacité, le ministre a trouvé un entraîneur. Aujourd'hui, vous avez One All Sport. Demain, le ministre va vous dire que, OK, quand vous n'arrivez pas à nous trouver un meilleur équipementier, je me retrouve en train de choisir qui sera l'équipementier du Cameroun. Ça annonce encore d'autres conflits, ce qui ne sera pas peut-être bien pour l'image de notre football ou bien des sélections nationales de façon globale. Je vous rappelle que le ministre ou alors un ministre dans notre pays, le Cameroun, ne prend pas sur lui de prendre les décisions. On ne va pas revenir sur le fait que c'est le chef de l'État lui-même qui avait dit qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, il est passionné comme nous sommes passionnés et comme on met notre argent dans des périodes extrêmement difficiles, on peut aussi apporter un peu de nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Rima passe le temps à dire respect, label, respect. Vous ne respectez pas le label ni les lions indomptables parce que s'il y avait respect de label lion indomptable, on ne pouvait pas prendre... un équipementier qui fait dans le sport mécanique, virtuel, qui est à Bangkok aujourd'hui, demain qui se retrouve chez un Toubab qui est sur un LinkedIn qu'on ne peut pas identifier et tout ça. Il y a beaucoup de filoterie dans cette affaire. Savez-vous que même alors, ces grands équipementiers, alors, pour la plupart, si ceux qui nous regardent, leurs vêtements se confectionnent en Asie, est-ce que vous savez pourquoi il y a cette délocalisation? Si vous saviez au moins pourquoi il y a cette délocalisation, vous ne devrez pas faire ce discours démagogue parce que vous savez que la main d'œuvre est très moins chère en Asie. Ou la direction de Pumas, Il faut dire la vérité à ceux qui nous regardent. Oui, sauf que quand vous parlez au même moment, les téléspectateurs ne comprennent plus rien. On a l'impression qu'on les a dans poulailler. Oui, allez-y. Je le dis encore, c'est de la filoterie. C'est de la filoterie, cette affaire de One All Sport qui n'existe nulle part. Et Rima a parlé de sérieux, respect, label Lion d'Antap. C'est pour ça que je vous ai interpellé. Il n'y a pas eu de sérieux, il n'y a pas eu de respect de label de Lions et Nanta, parce que si il y avait eu du sérieux et du respect, on n'aurait pas allé chercher un sport mécanique pour venir dans le sport que les Camerounais et le monde entier aiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous dis, One All Sport, ça n'existe nulle part. Ceux qui nous regardent le savent. Vous êtes à l'étranger, même sur Google, quand vous tapez Nike, on va vous dire là où ça se trouve. Quand vous tapez Adidas, on va vous dire là où ça se trouve. Mais quand vous tapez One All Sport, ça n'existe pas.
pas. J'ai encore peur qu'une fois de plus, on va entrer dans quelque chose qui va nous traîner dans une roubladise, qui va injecter beaucoup d'argent, qui va permettre encore une fois de plus d'ouvrir les combats, d'ouvrir des bagarres parce qu'il y a de l'argent derrière. Et j'ai peur, M. Rim, que ça soit une fois de plus une rupture abusive de contrat. Et moi, je suis ici, je suis sérieux, j'interpelle l'État du Cameroun. Comme ça n'avait pas marché avec le sélectionneur manager qu'on aime très bien, parce que ça peut arriver, je vous aime Lynn, je vous confie quelque chose, ça ne fonctionne pas, je reprends cette chose. Moi, je pense que l'État doit reprendre aussi cette affaire d'équipementier, essayer ça, aussi... Ça, c'est de l'ingérence. Le foot, la FECAFOOT, c'est une agence indépendante, vous, non? Vous savez, elle est indépendante, mais oui. On a quand même... on est quand même dans un oui, pays mais chacun ses règles. Vous verrez toujours qu'il y a... c'est du 6 et du 9. On ne va pas revenir sur ce genre de débat. Il y a des cours de juridique chacun doit rester à sa qui place. Permet à ce que chacun peut toucher, peut définir un petit pion à un moment donné s'il le souhaite. Alors, ce que moi je souhaite ici, c'est qu'il faut qu'on mette au clair cette affaire avec One All Sport qui a berné les Camerounais, cette affaire One All Sport qui n'existe pas. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France peut avoir un équipementier flou qui a Bangkok. Même là-bas, on a vu ce qui s'est passé. Hein. On a vu aussi ce qui s'est passé avec l'actualité au niveau de l'équipementier, au niveau de la France. C'était quel équipementier, s'il vous plaît? Non, je dis que ce n'est pas une histoire propre au Cameroun. C'était pas One Sport, non, pas du tout. Je veux vous dire. Non, voilà, oui. C'était quand même quelque chose de sérieux. Parce que le coq sportif, bien que c'est le coq, au moins c'est quelque chose de sérieux. Ce qu'il faut dire ici au Cameroun, c'est que nous attendons que les prochains jours, il y a des éclaircies sur cette affaire. Parce que pour moi, je le dis encore, ça sent de la filoterie, ça sent de l'arnaque. C'est quelque chose qui a été organisé à l'intérieur pour une fois de plus prendre l'argent du Cameroun. Et ce qui me choque toujours, Rim, ce qui va toujours me choquer, c'est que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui à la Fédération Camerounaise de football, je le dis, Rim, ils ont promis, ils nous ont dit qu'ils feront autrement que ce qui avait déjà été. Ça, ce sont les slogans. Mais en ce moment, on a l'impression, Monsieur Rim, en ce moment, ils sont en train de faire aux téléspectateurs. Guillemets, le représentant de la Fédération. Non, non, vous ne parlez pas, football, non, non, non. Ou alors celui qui semble connaître un petit peu les bons et les bonnes chambres de la Fédération Camerounaise de football. C'est mon ami, oh, Antenne, il le sait, je l'aime bien, j'apprécie ce qu'il fait. Alors, c'est quand j'ai des questions, je te le pose, Rim, je pense que vous allez mettre cette affaire au clair et j'appelle à ce que l'État du Cameroun laserise cette affaire. On va nous dire qu'il y a l'affaire Glencoe, il y a l'affaire ceci, mais on est obligé de dire que on la Fédération sur la Camerounaise tout de football à l'heure. Aussi, c'est une affaire d'intérêt de tous. Les Lions Indomptables, la Fédération, ça concerne tous les Camerounais. Même si ça concerne tous les Camerounais, la FECAFOOT, elle est indépendante, elle doit se gérer, s'autogérer, et avec juste une tutelle qui est le MINSEP. Oui, d'abord, pour quelques points. Cette page-là, est-ce que l'État va intervenir? L'État n'interviendra jamais pour ce qui est du... On a dit ça avec l'entraîneur, hein. Oui, si pour l'entraîneur encore, ça peut se comprendre parce que c'est lui qui le paye. Mais pour ce qui est de l'équipementier, jamais l'État n'est intervenu pour cela. Je dis jamais, du moins depuis que la Fédération Camerounaise de football est autonome. D'accord. Depuis que les présidents là-bas sont élus et non nommés. Ça, c'était pour évacuer ce sujet. L'autre chose, et c'est pour ça que ça m'amuse. Que l'on estime que parce que le siège social de One Sport est à Bangkok, et donc du coup c'est une société fictive. Mais vous le savez, le monde aujourd'hui, du moins pour ce qui est de l'économie, les grandes marques, les grandes structures, les multinationales délocalisent leur structure, leurs entreprises du côté de l'Asie où la main d'œuvre est très moins chère. Donc, ce n'est pas une surprise que One All Sport se retrouve de ce côté. Et vous avez, je peux les citer à l'appel ici. Et puis, il circonscrit One All Sport au sport mécanique. Et du coup, pour lui, c'est un équipementier non aime. Mais c'est Puma qui habille Ferrari. C'est le sport mécanique. Hein? C'est Puma qui habille Ferrari. Je n'ai cité que l'exemple de Puma. Vous savez qui habille Mercedes? Ce sont des sports mécaniques. On les retrouve aussi de ce côté-là. Mais il se trouve simplement que jusqu'ici, pour ce qui est du football, One All Sport... C'était une première. Mais ça ne fait pas de One All Sport un équipementier fictif. Et puis toi-même, tu sembles te contredire, Bamaga Cissé.
Ça n'existe nulle part, mais tu sais quand même où se trouve son siège social. Ça, c'est ce qu'on a écrit à Wikipédia. Tu sais quand même. Sur Internet. Tu as dit que si on tape, on ne va pas trouver. C'est ce que je l'ai dit. Internet, c'est où? Wikipédia, c'est où? Si c'est. Wikipédia, c'est où? Non, s'il vous plaît. Tu as dit si on cherche, on ne verra nulle part. Toi-même, tu dis que sur Wikipédia. Wikipédia, c'est où? C'est pas le ciel, c'est le net. S'il vous plaît. Alors, je souhaiterais que vous répondiez à cette préoccupation d'un journaliste qui. Parce que vous êtes là, vous avez d'autres informations. One All Sport n'est que très peu impliqué dans ce schéma. La firme a tout simplement autorisé à la FECAFOOT à utiliser son logo contre le versement de certaines commissions liées à la vente des équipements. C'est la FECAFOOT elle-même qui produisait les équipements dans un premier temps en Thaïlande. Et faute de moyens pour passer les commandes, gérer le transport et payer les frais de douane, elle s'est résolue à produire sur place au Cameroun, ce qui n'était pas du tout rentable. Est-ce que c'est la bonne information ? Là, si vous avez des précisions. Je n'ai pas d'informations dans ce sens. Mm-hmm. Le journaliste, je ne sais pas lequel déjà, mm-hmm. c'est lui seul où il les a puisés. Mm-hmm. Je ne vais pas commenter des choses que je ne connais pas. D'accord. Et puis, pour revenir sur... Donc, rien à voir avec des rétro-commissions ou des affaires gérées en solo? Je rien dis, je ne sais pas où il les a puisés. Mm-hmm. Donc, je ne vais pas commenter, si je puis le dire ainsi... quelque chose les émotions ou les non, c'est bien de faire des précisions comme ça parce que les gens nous regardent. Le Cameroun, c'est pas le Soudan du Sud, quand même. Alors, maître, il y a cette question. Je voulais terminer. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas une L'île. Donc, pour ce que ce journaliste a dit, ça n'engage que lui. On l'a compris. Il pourra, s'il n'a pas fait sous anonymat, les justifier ou les prouver le moment venu. Et pour ce qui est, parce que maître a émis des doutes sur la. Les autres partenaires impliqués dans ce partenariat, notamment au niveau de la distribution, au niveau de la vente, je puis le rassurer, ce que Edimo, qui était le distributeur agréé, on va l'écouter tout à l'heure, a commis également un communiqué disant on va l'écouter, rassurez-vous. Il faut n'ayez aucune crainte de ce côté. Maître, il y a cette question pour vous. Pourquoi la FEDE ne poursuit pas One All Sport en justice? Pour faire simple et éviter qu'il y ait des pour et des contre, des voix qui s'élèvent un peu partout. Merci de revenir à nous. Mm-hmm. Je vais tout simplement dire que le timing de la FECAFOOT n'est pas celui des internautes. Le timing de la FECAFOOT n'est pas celui des internautes. Je ne suis pas ici pour défendre la FECAFOOT. Je ne suis pas ici non plus pour plomber la FECAFOOT. Je suis ici pour faire comprendre certaines choses qui peuvent avoir échappé aux uns aux autres. Alors, je voudrais dire... à Cissé, qu'en disant que One All Sport est une filouterie, c'est trop fort. Filouterie, c'est un vol, c'est une escroquerie. On vous fait comprendre que la signature, c'est un contrat synalarmatique, c'est-à-dire deux parties. Vous ne pouvez pas me dire qu'on a créé suite generis One All Sport. D'un, je suis d'accord avec Cissé. Lorsqu'il dit que vous n'avez pas respecté le label Lion Indomptable, moi je m'intéresse à la chose positive. Parce que vous prenez la parole, vous dites non, celui qui vient doit savoir que c'est le Lion Indomptable, c'est un label respecté. Si vous avez respecté le label Lion Indomptable, vous ne pouvez pas laisser les gars s'entraîner deux jours sans équipement. Je m'arrête là. Vous savez pour dire que non. Je voudrais attirer votre attention également. S'il vous plaît, attendez un peu. Vous respectez les téléspectateurs. On a longuement parlé de ce sujet. On ne va pas revenir là-dessus. Et vous ne vous sentez pas indexé à répondre à n'importe qui, n'importe comment. Il s'agit des téléspectateurs qui ont besoin de comprendre ce qui se passe et il faudrait qu'on sorte de là avec des informations. Allez-y, s'il vous plaît. Ben, maintenant, vous avez dit que la FECAFOOT pourrait saisir les institutions judiciaires pour réclamer dommages et intérêts.
pour, je dis, c'est le droit de la, c'est son droit le plus absolu. Mais seulement, ne pensez pas qu'on part devant un tribunal, dit donnez-moi tel montant, il faut justifier naturellement, le préjudice que cela vous a causé. Pour retorquer à la question à moi posée, je dirais tout simplement que voici, nous sommes le 7. Le communiqué de la FECAFOOT date du 6. Donc, je pense que c'est le moment d'engager les procédures, parce qu'il y en aura, les procédures, n'est-ce pas, pour savoir effectivement qui a subi quoi, qui devait faire quoi et ne l'a pas fait. Nous pensons très honnêtement que, pour une fois, j'exhorte le président de la FECAFOOT de lever le voile sur ce qui pourrait, ce que je pourrais appeler l'identité même de One All Sport. C'est-à-dire parce que beaucoup de langues se délient. Comme le constat du journaliste dont vous venez de partager avec nous. Comme également le sentiment qui gagne l'ensemble des Camerounais, à savoir que ça pourrait être un machin fabriqué. En saisissant le tribunal, nous savons qu'il y a quelqu'un qui viendra. Ce quelqu'un peut être le représentant de ce One All Sport, d'accord, qui n'est qu'une personne morale. D'accord. Donc, également, je voudrais également interpeller le gouvernement de ne pas s'y intéresser à l'affaire des équipementiers. Si c'est ce que tu fais, je ne te prends ne pas, je ne vais pas te clouer au pilori comme tu as dit tout à l'heure. Merci, merci. Quand tu interpelles le gouvernement de venir entrer, de venir. Non, écoute, on pourrait dire. On va prendre ça ailleurs aussi, mon avis pouvait compter. Je sais, ça ne compte pas, mais je dis quand même. Ça compte. Merci à Lille. Merci à Lille de nous inviter de temps en temps. Non, je sais que ça ne compte pas parce que les instances fêtières sont aussi parfois autistes. Que tous regardent. Très bien. Permettez-moi. Alors, il faut nationaliser cette affaire. D'accord. On va aller à Paris prendre Pascal-Pierre Bengonon, qui est le directeur de la communication de Edimo Design, dont vous parliez tout à l'heure, chargé de distribuer One All Sport. On suit, on l'écoute et puis on revient pour conclure ce programme. Bonsoir Lille, bonsoir à tout le panel, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 International. C'est un plaisir de pouvoir vous donner des nouvelles. Comme vous le savez, l'actualité oblige, je suis à 6000 km et poussière du Cameroun. Je suis en France, évidemment, pour les Jeux Olympiques. Vous savez que nous sommes équipementiers de la Team Cameroun, du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun. Malgré que nos compétiteurs n'aient pas pu nous ramener des médailles, mais je pense que nous avons brillé par notre présence. Vous vous souvenez évidemment de cette très belle cérémonie d'ouverture où le Cameroun a brillé avec ses tenues d'apparat, et etc. etc. Vous voyez ces très très belles tenues, et je pense qu'on a respecté les normes du Comité international olympique, et le Cameroun a été mis en valeur. Alors pour venir à l'actualité, puisque nous y sommes, vous avez lu le communiqué qui précise que la fédération camerounaise va résilier son contrat avec son partenaire One All Sport, équipementier des sélections nationales de football du Cameroun. Alors notre position en tant que la maison des Dimo, puisque nous sommes partie prenante de cette distribution, de cette chaîne de distribution, nous sommes les distributeurs officiels de la FECAFOOT, des équipements authentiques des Lions Indomptables. Évidemment, notre position est celle-là. Nous attendons sérénement, sans panique, la désignation, évidemment, du prochain équipementier que nous allons, évidemment, accompagner auprès de notre partenaire, la FECAFOOT. Simplement, il faudrait juste que nous nous disions peut-être le droit, nous nous réservions, évidemment, le droit aussi
de rentrer dans ce processus et de rêver. Pourquoi pas, nous aussi, nous pourrions peut-être avec notre label Sportsway, qui est dirigé par Madame Danielle Munch, nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir prétendre être l'équipementier des Lions Indomptables. C'est cela notre position aujourd'hui. Nous accompagnons depuis quelque temps le mouvement sportif camerounais et nous en sommes fiers. Il serait peut-être temps aujourd'hui, pourquoi pas, de donner une chance à une marque camerounaise. Nous sommes une société de droit camerounais. Pourquoi ne pas le faire? C'est peut-être possible. Eh bien, pour l'instant, la balle est dans le camp de l'Africa Foot qui en décidera le moment venu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la position de la maison Edimo Design. Merci en tout cas et je vous souhaite une bonne continuation dans votre émission. Merci beaucoup Pascal Pierre. On a moins de 4 minutes pour sortir de ce plateau puisque Colas Montier me fait déjà les grands signes dans l'oreillette là. On sort avec vous. La suite c'est quoi? Appel d'offres annoncé. Espoir, on garde espoir pour la suite? Oui, il faut garder espoir. Et, dans son communiqué, le secrétaire général de la Fédération Camerounaise de Football l'a précisé. Il y aura un appel d'offres qui sera lancé et les entreprises, du moins les équipementiers qui soumissionneront, seront triés sur le volet. Et je le redis, même si ça ne plaît pas à certains ici, il ne sera fait qu'avec ceux qui vont respecter le label Lions Indomptables. Pas de procès d'intention à Samuel Etoffis alors? Surtout pas. Je ne sais pas pourquoi on devrait même en faire. si quelqu'un peut m'apporter la preuve de ce que One All Sport, c'est la société de Samuel Etoffis ici, je signe tout de suite. D'accord. Mais nous avons démontré que c'est une société, c'est un équipement qui existe bel et bien et qui a pignon sur rue, même si ce n'est pas dans le football, mais dans d'autres sports. Et mon principal contradicteur sur ce plateau l'a lui-même reconnu, d'accord, que ça merci. Fait dans les sports mécaniques. Donc, on ne peut pas le dire et venir dire on autre chose. On va revenir dessus. Merci beaucoup. Après. Alors, si c'est vraiment en moins d'une minute, qu'est-ce qu'on... Il y a espoir pour la suite? La première chose, je l'ai dit, maître, je ne vais pas te plaire. Il faut laseriser cette affaire. Deuxième chose? Deuxième chose, tous ceux qui ont essayé avec cette affaire, il faut les mettre à côté. Et dernière? Dernière, ça suffit comme ça. Le Cameroun, les Lions Indomptables, ce n'est pas un label qu'on doit s'amuser. D'accord. Le Cameroun, footballistiquement parlant, ce n'est pas le Soudan du Sud, monsieur Rivière. Il nous faut aujourd'hui un équipementier sérieux, digne des Lions Indomptables. Merci beaucoup. Alors maître, on sort avec vous, de l'espoir pour demain, pour nous éviter... Mon cher Cissé, tout d'abord, je ne suis pas contre le fait qu'on passe un laser sur cette affaire. D'accord. Voilà. Relativement à la sortie de M. Pascal Bengono, je pense que c'est à cause de ce genre d'opportuniste que, que les Camerounais peuvent penser que c'est une filouterie pour utiliser les expressions de M. Cissé. En réalité, ce qu'il nous raconte là, c'est des salades. Donc vous voulez respecter son point de vue. Vous ne pouvez pas dire qu'il raconte, c'est un point de vue à respecter. Écoutez, on ne blague pas jusqu'à ce niveau avec les francs du contribuable camerounais. C'est bien compris. Voilà des gens qui viennent encore dire qu'il faut leur donner encore le marché, si, il reste serré, ils n'auront rien. Dans tous les cas, on va monter. Il parlait là, c'est un acquis, hein. C'est non, c'est un acquis. Oui, parle comme si c'est un acquis. S'il vous plaît. Alors, c'est pas avec cela. C'est pas l'argent sorti de son champ qu'on fait ça. Notre argent, notre non, Lille. Il raconte des salades. Non, mais s'il vous plaît, alors. Sur un plateau de télévision, utiliser des mots respectables. Non, non, non. Quand il se comporte comme ça, il faut le mettre à sa place. Non, Georges, merci d'être venu sur ce plateau. Alors, maître Achille Diouf. Merci d'être venu et contrôler un peu votre langage non, parce qu'on s'adresse aux téléspectateurs. Avec ce genre d'opportunité, il faut Bamanga, merci leur beaucoup. Dire ce qu'il faut. S'il vous plaît, vous pouvez vous calmer. Merci d'être je venu suis sur calme, ce plateau. Merci. Mais ce qui est sûr, c'est que la beauté de ce Cameroun, c'est la diversité d'opinions. Il pas faut des respecter. Opportunistes. Non, des opinions, il faut bien respecter. Juste derrière, vous avez le 19h50 qui revient avec un magnifique dossier sur cette affaire Fekia Foot One All Sport, une présentation d'Alain Sinakanga. Je vous retrouve demain avec une autre thématique et d'autres invités, avec des invités un peu plus calmes, hein, je l'espère. Hein, on a été agités. Très agités à la fin de ce programme. D'accord.